Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 18 évidemment de notre incroyable aventure sur God of War. Et je peux vous dire que mine de rien, on avance plutôt bien. Et on était dans les bois de fer avec Atreus. Et on avait rencontré Unger Boda. Et nous sommes à la maison arbre d'Unger Boda, voilà justement, qui vit juste ici. Et il y a quelques fresques des géants. Ça, c'est plutôt cool. On va essayer de checker à gauche, à droite. Ici, c'est totalement fermé. Alors, c'est elle la dessinatrice des fresques, peut-être, non? Je crois savoir qui c'est à travers la mythologie grecque, parce que je rappelle que c'est des vrais personnages de mythologie qui sont utilisés. Mais je n'en suis pas sûr, donc j'attends d'en savoir peut-être un petit peu plus sur... sur ce qu'elle va nous apprendre ou autre, ça peut être très intéressant. C'est ma fresque. Je voulais justement la revoir. Pour beaucoup de géants, il y a une certaine beauté à découvrir sa voie et à la suivre. Bien sûr, d'autres voient leur avenir et en sortent... bouleversés. Ok. Fais-moi rêver. T'es prêt? Oui, je suis prêt. J'espère qu'elle a pas changé la fresque, hein. J'ai déjà vu ça, où les cendres de mer sont dispersées. C'était sur un mur. Tout était déjà arrivé, exactement comme prévu. Mais cette partie était abîmée. Oh, c'est nous. Qu'y a-t-il dans le sac ? Je me demande qui il est. Attends. Non. Non. Ça ne va pas. Ça peut pas être vrai. Non. Non, non, non. C'est pas réel. Il rejoint Odin après la mort de Kratos. Plus. Rien de tout ça existe. Wow, wow, tout va bien. Tout va bien. Hey, ça va aller. Tout va bien se passer. Hey, regarde-moi. Hey, calme-toi. Respire. Ça va. Va bien. Désolé, je sais pas ce qui s'est passé. Non, t'inquiète pas, ça peut arriver à tout le monde. Ça? Ça arrive à tout le monde? Pas le côté loup, mais avoir peur de son propre avenir. Ça peut pas être mon avenir! On voit que je sers Odin et que mon père meurt! Et ça, c'est impossible! Si, c'est même le seul déroulement possible! Plus vite tu l'acceptes, mieux c'est! Désolé, c'était indélicat. Écoute. Essaie de ne plus y penser pour l'instant. Oublie ton avenir. Oublie Loki. Tu es un géant. Et... à l'évidence, tu développes des pouvoirs que tu ne comprends pas encore. Marchons un peu. Tu peux m'aider dans mes tâches et je peux... t'apprendre... des trucs sur les géants. Allez, viens. Aïe, 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 aïe. Ça fait mal, ça fait mal. Aider Unger Boda dans ses tâches de géant. Ok, allez. Elle va peut-être m'offrir des pouvoirs, quelque chose. J'allais l'arracher.
Moi, tout ce qui vole, les gars, tout ce qui est vivant, je te découpe ça. Hein. Ça sent pas bon, les gars. Ça sent pas bon pour la suite de notre histoire. Loki, j'aurais besoin de ton aide. Qu'est-ce que c'est? Tiens, suis-moi. Où est-ce qu'on va? Du thé? Nous allons chercher à manger, planter des graines, toutes mes tâches quotidiennes. Mais d'abord, je dois te présenter quelqu'un. Ok. Loki, je te présente Yala. Salut Yala. Ravi de te rencontrer. Oh, voilà, c'est une belle bête, hein? Ok. Faut que je monte sa bichette. Allez, monte! Allez, fais-moi rêver. Ganga. Attends, je le pilote. Donc, là. Tu es sans doute au courant pour le champion des... Yotna? Oui. Est-ce que... tu préfères que je t'appelle comme ça? Non, je préfère Loki. D'accord. Champion. Et où as-tu dit qu'on allait déjà? Nous devons cueillir des fruits. En suivant la rivière, on devrait en trouver. Très bien. Ces fleurs là-bas. Les silences. D'accord. Non, c'est leur nom. Elles poussent uniquement à Jotunheim. Ma mère et moi faisions des siestes à l'intérieur quand ma grand-mère et elle se disputaient. C'était le seul endroit où... Oh. Attends, mais ça veut dire que tout ce que je ramène là, je le récupère? Faire forger reste de bête. Bien. Bien, bien, bien. Je prends. Ok. Ça m'embête ce qu'on a vu sur la fresque. Je ne fais que d'y penser. Ok, on va continuer. Ah, en voilà un. Cueillons-le. Un petit fruit, c'est pour ça. Qui? Un petit gland, ça, je crois. Mange, non? C'est la première fois que je vois ces fruits. Ce sont des vers bulbes. Ma mère m'en faisait manger un par jour. Pour la force. Par contre, leur goût est atroce. Ça a marché, on dirait. Bon, Atreus, Atreus! Tu veux pécho, ça va pas. Pardon. On dirait qu'elle t'aime bien. Oh, je le vois. Lui, tu peux le cueillir? Ok. Il a besoin d'un couteau. C'est Lou. Tu prends soin d'eux? Bien sûr. Ce sont mes amis. J'ai hâte de les rencontrer. Ok, ça c'est fait. Bah ça va, niveau fruits, on est pas mal là, non? Combien de ces fruits te faut-il? T'es pressé de partir? Non, mais... je dois sauver mon père maintenant, apparemment. Loki, nous avons le temps. Pourquoi le temps, il est arrêté ou quoi ici, Bibiche? Dis la vérité, dis les choses. Je vois un fruit là-haut. Alors allons là-haut dans ce cas. Ok. Allez. Hop. Attends, tu me parlais à moi ou au Yak? Okay. Je vais t'aider. Merci. Cimer! Je t'en prie. Ranger Boda. Ok, on fait quoi? On retourne... Wow, il passe trop bien, vif! Stileo! Après toi... Allez. Écoute, je sais qu'on s'amuse bien, mais on devrait peut-être parler de ce que tu as vu sur la fresque lune. Ce que j'ai vu n'arrivera pas. Je m'allierai pas à Odin si je devais perdre mon père. S'il y a une chose que ma mère m'a apprise, c'est que ses prémonitions ont tendance à se réaliser. Moi, mon père m'a appris à fermer mon cœur à la douleur. Mais... pas cette fois. Allez, reste de bête, os de bête, très bien ça. Encore un petit coup de génie que j'ai eu là.
Certains, je pense, ont fermé les yeux. On fait comme s'ils n'avaient rien vu dans cette bouche. Dans cette plante carnivore. Et pourtant, on était là. On était là et le boulot a été fait. Et ça fait plaisir, j'ai envie de te dire. Ok. Let's go. Alors, C'est trop. C'est bon, il va arriver. Y'a rien derrière ? Y'a rien. Alpha ! Ok, c'est géré ça. Ça, c'est géré. Allez, viens. Tu sais, j'ai bien pensé à aller à Asgard. Mais je ne le ferai pas. Ah bon ? Mon père ne m'aidait pas à comprendre mon destin. Mais quand j'ai vu Odin seul à seul, il était prêt à m'apprendre. Si tu étais seul avec Odin, il aurait pu te tuer facilement. Enfin, pas si facilement. Montons sur cette corniche. Volontiers, volontiers, volontiers. Ok. Encore un fruit. On en a pas besoin, mais prenons-le quand même. Comment tu sais qu'ils sont mieux ? Mes parents me l'ont appris. Ce n'est pas facile à deviner. Donc, c'est que tu ne peux pas prévoir tout ce qui va se passer. Seulement les choses importantes. Ok. Qui a pas ? Oh, Yala ne peut pas passer sous ce tronc. Ça y est. Allez, ma belle. Allez, viens, Bibiche. Mais comment elle faisait sans moi pour faire tout ça, je comprends pas. Bizarre! Trouver ces ingrédients, nourrir tes animaux, tu fais ça tous les jours? Oui, sinon ils mourraient. C'est beaucoup pour quelqu'un de ton âge. Notre âge. Oui. Une des dernières choses que mon père m'ait confiée, c'est qu'il était désolé de n'avoir pas pu me protéger. Et que j'ai eu à grandir si vite. Au moins, tu as eu des excuses. Les pères savent manier les mots, hein ? Y'a rien au bout ? Reste de bête encore... Merde, on peut y aller. Oh non, je vais faire demi-tour. J'ai peut-être loupé quelque chose de fou. On peut pas. Condamné. Condamné à la muerte. Non, vraiment ? Tu sais, peut-être qu'Odin voulait t'utiliser. Ou alors, ce n'est pas ce qu'on croit. Et c'est peut-être moi qui me sers de din. Oh, tu maîtrises l'art de la ruse. J'ai menti à mon père plusieurs fois. Ah, un maître du subterfuge. C'est beaucoup de titres pour un mytho, quoi, mais... On a fait tout le tour. Très bien. Très très bien. Les verbulbes vont dans ce seau. Dis, si j'ai besoin de, disons, réparer mon arc... Je peux... J'ai tout ce qu'il faut dans mon armoire à outils, de ce côté. Tant que j'y pense, il y a quelque chose pour toi à l'intérieur. Retrouve-moi auprès d'Yala quand tu voudras y aller. On peut rester ici encore un peu ? Aussi longtemps que tu voudras. Ok. Ok, 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 ok. Une petite surprise ? J'adore les surprises. Ok. Un arc Jotnar. Joli. Alors, les amis. Qui deviendra le champion de son peuple? Ok. Bah alors attendez, pourquoi je n'ai pas l'arc? Ça me fait peur. Ah non, fabricable seulement, très bien. Ok, on va le faire parce que j'avoue qu'il fait un peu miskin. Oh putain, il fait tout aussi miskin, j'ai le seum. J'ai le seum de ouf. Ok. Hé, hey, c'est quoi celle-là ? Je l'ai peinte avec ma grand-mère. Je n'étais pas très douée. Un Gerboda.
Tout à l'heure, tu as dit que Luton Guard peut être déstabilisant. Mais qu'est-ce que c'est ? Tu connais Ymir ? Le premier des géants. Il est mort il y a longtemps, non ? Tué par Odin. Oui. Odin a détruit tout ce qu'il restait de lui, excepté une chose. Ses rêves. Et maintenant ? Bon, ensuite je cueille généralement les mandracines que je mélange avec. Enfin, à moins que tu veuilles toujours partir. Non ! Je peux rester. Je veux rester. Ok. On va essayer de voir un max de... Est-ce que c'est une autre de tes peintures ? Elle est jolie. Ouais, j'ai fait mieux. C'est pas la meilleure. Moi, elle me plaît. Oh ! Bon, ça fait mal, hein, cette fresque, toujours. Seulement trois couleurs ? Où sont les autres ? C'est tout ce qu'il faut. Je les mélange pour faire les autres. Ok. Ça... Ça, on l'a pas. Les lignes de celle-ci sont très vivantes. Oh, waouh. C'est un sacré compliment. Très bien. J'aime beaucoup ce que tu as fait des couleurs sur celle-là. Oh, ce pigment bleu. Il y a forcément des petits indices, les gars, c'est sûr, là, dans ce qu'on regarde. Eh bien, tu as réussi. C'est magnifique. Merci. Oh, celle-ci, c'est ma préférée. Je suis très fière de cette main-là. Non, mais vraiment, regarde ça. Oui, c'est vraiment bien. Les mains sont vraiment dures à dessiner. On est d'accord. Ok. Là, il y a quelque chose à faire en vrai ou c'est... Attendez. Laissez-moi checker quand même, on ne sait jamais. Ce serait dommage de louper quelque chose. Non. Attendez. Flèche sonique inflige plus de dégâts, c'est fabricable. Allez. Les crocs prélevés à Friki, la vorace qui était connue, ok. C'est un accessoire. Ok. Un accessoire niveau max, c'est pas mal ça, le chat. Vous en pensez quoi? Ok. Alors. C'est pas ça, c'est arc. Non. Attendez, qu'est-ce que c'est déjà? Putain, mais c'est terrible. Accessoire, c'est bon. Allez, c'est bon. Harmonie sonique, ça me plaît. Let's go! On se casse, bibiche! On se casse. Oh, et là, y'a rien. Attends. Laisse-moi checker un petit peu sur un malentendu. Y'a peut-être de véritables dings? Non, c'est de là où on vient, peut-être. Ouais, c'est de là où on vient. Ok, on se casse. Très bien, on peut y aller. Il est temps d'avancer. Allez, go! Tu Alors. Sais, je peins aussi. Enfin, je dessine. Que dessines-tu ? Toutes sortes de choses. Des monstres, des artefacts. Tout ce que mon père et moi croisons dans nos voyages. Ton père est un artiste aussi ? Non. Il y a des racines par ici. Ok. Tout doux, ma grande. Ça va aller. Baisse ta tête ! Tu n'as pas un animal qui pourrait... aller plus vite ? Pardon, Yala. Bien sûr que si. Mais il ne pourrait pas nous porter tous les deux. C'est plus simple comme ça. Je comprends. Je m'occupe de celle-là. Il y en a une autre plus loin. Ne prends que ce dont tu as besoin. Tu vois ? Ah, d'accord. Ok. On prend ces petits morceaux de racines, c'est ça ? Tu n'as pas besoin de ça, les racines se détachent toutes seules. Voilà, prends-en juste un petit bout. Tu tournes et tu tires. Comme ça ? Exactement. On arrive ! D'autres racines par ici. Des racines et des ailes. Ok, on y va ! Ça, à mon avis, c'est la phase tranquille avant...
Elle ne m'aime vraiment pas. Avant les gros problèmes. Hein? Mais si. Seulement, à part moi, la seule autre personne qu'elle ait connue n'est... Droguer, sur la crête. Debout. Ah. Montre-moi le loup. Ok. D'accord, c'est la jauge de rage, trop bien! Viens là-bas! Je couvre! Voilà! Ok! Viens là-bas! Oh là là! Attrape ça! Et ben voilà! C'est bizarre, quand je me change, je perds tout contrôle. Donc j'ai bien un mode rage, les gars. J'ai bien un putain de mode rage, c'est trop bien. C'est trop bien. Ok. On va où avec ces conneries là, les gars? Oh. Une putain d'idée. Allez mec. Là. Au moins il y a des racines ici. Il est où notre pote? Ramasse-en pendant qu'on cherche une sortie. Pas de couteau, tu te souviens? Oh. Oui. On ne sera pas venu là pour rien. Ok. Wow. Let's go! Oh, c'était fou. J'ai plus rien vu pendant 2 heures. Allez. Pas mal. Let's go. Et ben voilà. Bon, je devrais arrêter de tirer sur des racines. Ce n'est pas ta faute. Tiens, on dirait qu'un passage s'est ouvert de ce côté. Rattrapons vite Yala avant que d'autres n'arrivent. Ok. Pas mal, pas mal. Tout va bien. Toi alors, Loki, que ressens-tu quand tu te transformes? Seulement... Ah, moi, de la colère. Une part de toi a libéré le loup avec cette colère. Peut-être dois-tu trouver la part qui le guidera? Comment? Tu peux combattre avec toutes sortes d'émotions dans le cœur, pas seulement la rage. Si la rage le fait sortir, une autre peut t'aider... à être toi. Où il va, ce pont? Attends. Tu trouves ça drôle? À vous. Peut-être. Ok. On a fait tout le tour. On est rentré. Oui. Allons déposer ces racines dans le seau plus loin à gauche. Ensuite, j'aurai une dernière chose à te montrer. Ouh là là. Ok. Ça sent pas bon. Tout va bien? Oui, mais. On devrait retourner du côté de l'eau. Par ici. Ça te dérange pas si on reste encore un peu? On pourrait... Je sais pas... Réparer des choses? Oui. Attendez, parce qu'il a l'air d'insister. Je pense que le shop, à mon avis... Il y a des choses à faire, très clairement. Objets spéciaux. Ça, il faut que j'en fasse. Ok. Ça sert plus à rien. Et ça, je ne peux pas l'améliorer en soi. Dommage. Écoutez, on est au max et on a la pierre de résurrection, on sait jamais. Vu qu'il insistait, ça sent quand même le boss ou quelque chose comme ça.
Allez, nouveau chemin, c'est ça. Let's go. Tu peux te changer en un animal, toi ? Pas encore. Mais toi, ça doit être lié à ta nature de dieu plutôt que de géant. Ah. Mais merci de me le rappeler. Pardon. Le ok, tunnel donc ça, c'est le côté Kratos. C'est par là qu'on va. Un passe. Ce sort me plaît beaucoup. Il cache cet endroit à merveille. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas senti d'autres géants quand père et moi sommes venus. Bah mince, alors je voulais aller à gauche. Ok. Biche. Ok, on est reparti. Oh non. Attends. Parfait. Comme je disais, on est parti. Dis, quelle est cette âme dans ton couteau ? La quoi ? L'âme. Il y a une âme dans ton couteau. Tu ne le sais pas ? Ah, non ? Qui est-ce ? Peut-être que tu ne devrais pas t'en servir avant de le découvrir. Comment ? Je ne suis pas du genre à voler l'âme des gens. Ah ! Oulala, gros coffre. Très gros coffre. J'ai besoin du temps à Yala pour arriver. Que fais-tu ? Ça me vide l'esprit. J'essaie de faire le plus de rebonds possible. Tu veux essayer ? Ça a l'air facile. Oh. Tu veux que je t'aide ? Non, je crois que j'ai compris. Ah, c'est pas dur. Voyons voir. Non, mais là, t'es teubé, là. Tu te moques de moi, maintenant. Je me moque pas de toi, je... Vraiment ? Je ris de la situation. D'accord, oui. J'ai peut-être besoin d'aide. Tu y arriveras. Lance-le à plat. Il faut trouver le bon moment ou lâcher la pierre. D'accord, regarde ça. Appelle le loup, Loki, mais sous ton contrôle. Gueule pas ! Quoi ? Non ! Ouais, j'ai pas envie de niquer toute la jauge. Je te couvre ! Gueule pas ! Ça fait tellement mal. Oh non, mais il est trop bien joué Atreus là. Quelle fin. Ok. Je couvre. On va lui frayer la gueule. Oh là là. Ok. Bah voilà mon pote. Faites-moi dernier lancé. Ça comptait pas. Oh, mais si. Un drogueur est sorti de l'eau. La bonne excuse. On pourra toujours réessayer plus tard. Maintenant. Alors on s'entraîne sans moi. Je finirai par m'améliorer. Allez, comme je disais. Et ben voilà. Oui. Ok, d'accord. Ah, trop tard. Il faut lâcher la pierre plus tôt que ça. Et ben voilà. Commence à prendre le coup. Ah ! Tu dois lâcher. Attendez. Plus vite.
Ah! Attendez. Tu dois lâcher plus vite. Tu commences à prendre le coup. On y est presque! Je suis sûr que trois fois d'affilée, ça doit faire un truc. Oh, bah voilà! C'était sûr! Ok. Allez, go, bibiche. C'était sûr, les gars! Si elle change pas de phrase à chaque fois que tu répètes et que tu le foires, c'est qu'il y a un bail. Un cadeau, disons. Cadeau. J'adore les Est-ce cadeaux. Est-ce que je dois m'inquiéter? Non. Ah, mais moi, je n'ai rien pour toi. En même temps, on est venu les mains vides, on n'était pas au courant. On n'était pas, on n'a pas reçu de fait part, de faire part, donc c'était un peu compliqué. Écoutez, les amis. Écoutez les amis, on va s'arrêter là. N'oubliez pas de j'aime le commentaire, on se retrouve très bientôt pour la suite de notre incroyable aventure. J'ai hâte de voir le cadeau qu'elle va nous réserver. Épisode très cool, très tranquille, mais ça fait plaisir. À mon avis, ça va swinguer juste après.